Et bien bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 21, j'espère que vous allez bien tranquillement. J'ai remarqué en fait que mon record avait planté juste avant, donc du coup je suis obligé de me le refaire, ça va, il y a avec 2-3 minutes, donc je l'ai refait. Il s'est passé pas mal de choses, notamment je me suis fait l'armure de Forge Hammer. Pourquoi? Tout simplement pour avoir lâché Mangate, hein, parce que YOLO. Je me suis fait le builder parce que j'ai remarqué dans les commentaires que vous avez fait un... Vous m'avez mentionné souvent que le builder de RefTools était très avantageux pour miner, faire des blogs, faire comme une quarry en fait. Cependant, quand j'ai remarqué le prix qu'il faut pour miner un bloc en quarry, 300 RF arctique, j'ai pas ce qu'il faut encore pour faire l'énergie. Donc du coup, pour l'instant, on va se mêler comme ça. Bon, bien sûr, peut-être je ferai des générateurs avec une petite source derrière d'énergie ou de bois qui va faire en sorte de couper tout ça. Enfin bref, on verra ça, tout ça. Depuis environ 18 heures environ de jeu, 18 heures de plus, il s'est passé en fait que j'ai construit quelque chose d'assez grandiose qui m'a pris beaucoup de temps, et encore ce n'est pas fini, il faut dire ce qui est, ce n'est pas du tout fini. Il me manque tous les villageois. Vous avez sans doute bien compris que c'était une iron farm qui génère plus de 1000 fers par heure. Attention, c'est assez énorme, hein, il faut dire ce qui est assez grandiose comme système. Il est quelle heure là? J'ai pas un slash time des fois. Ouais, bon, on va faire un petit time 7-0 pour YOLO. Alors du coup, voici la grosse bête, hein, voilà. C'est gros, il y a des villes... Qu'est-ce que tu veux toi? Ah ouais, tu me lances une flèche comme ça toi? Ah ouais. Ah oui, vas-y, bête. Ah, vas-y. Boulet. Ouais. Donc voilà, je disais que en fait voici la géante farm. J'appelle ça la géante parce que j'en ai construit. J'ai merci la cobble, hein, et le verre, hein, le sable, tout ça. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je voulais pas le faire avec la soul shard, les iron golem. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai fait via, via tout simplement via une iron farm, une géante, qui aura pour possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 villages, qui comptent 10 villageois dedans. Donc 180 villageois, il va en falloir des villageois. Alors pourquoi j'ai construit ça? Tout simplement pour avoir des iron golem et du fer, hein, forcément. Mais le fer c'est cool. J'ai vu ça en créa avec la map du mec qui l'a fait. J'ai repris son pattern entièrement. Je l'ai fait à quelques blocs custom près de mon côté, mais je vous mettrai le lien de la vidéo du mec qui l'a fait, et ça spawn plutôt pas mal, hein, il faut dire ce qui est. Donc merci les cobbles à gogo. Ah oui, il a toujours eu un problème ici, tiens, peut-être que je devrais avancer un bloc. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc de toute façon, les golems en fait ils pop parce qu'il y a une zone de villageois. Il y a les villages qui se trouvent ici, hein, là où il y a l'épée, bon, enfin bref, on le voit pas. Ou quel bon pointeur. Les golems spawn, peuvent spawner de plus haut parce qu'il y aura d'autres villages à 70 blocs au-dessus qui vont se générer et tomber. Quand ils tombent, ils sont amenés vers le courant ici. Hop, hop, hop. Envoyer tout ça sur un point central. Naturellement, les golems spawnent ici de là, spawnent de là. J'ai mis des zones... En fait, j'ai mis tout ça pour pouvoir monter là-haut, hein, parce que c'est pas fini. Et voilà, donc du coup, c'est pas fini. Voilà, comme ça on tombe moins haut. Bon, on s'en fout un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, un petit peu la grosse zone de golem qu'il peut y avoir, avec un petit... comment on appelle ça? Un petit tueur, un petit killer de golem en fait, tout simplement. Il y a un cochon qui se trouve dans le coin. Ah, il est là le cochon. Donc voilà. Tranquillement, il y aura des whoppers hein, pour récupérer les golems, forcément, pour récupérer le fer des golems. Mais tout ça, se viendra beaucoup plus tard. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous inquiétez pas, l'épisode n'est pas fini, hein, il faut dire ce qui est. On va aller chasser des golems, non, on va aller chasser des villageois, des zombies villageois. On va essayer de les capturer, essayer d'obtenir la reproduction de gros villageois. Naturellement, cette reproduction, il faudra des farmers. Et ces farmers-là, du coup, vont faire des bébés. Et ces bébés-là, on va les expédier, en fait, tout là-haut. Sachant qu'il en faut 10, je dis bien 10 par zone de village. Donc, il y en a 18 en tout, donc ça fait 180 villageois à avoir. Je vais reprendre le design de Pierre concernant pour faire des villageois, des bébés villageois. Je vais reprendre son design parce qu'il me plaît bien, parce qu'il est plutôt simple en fait. Vous mettez juste des villageois, vous les nourrissez et YOLO. Il faudra aussi une ferme de carottes et autres de bouffe en fait. Tout simplement de bouffe. Couché. Donc du coup voilà. Je ne sais pas si la ferme de bouffe je vais la faire via villageois ou pas du tout. Oh, j'ai bouffé pas mal de fruits quand même. Bon ça va, c'est des pommes, donc on s'en fout un peu. Mais voilà. Donc je vais reprendre le petit design comme il faut. Ah, j'ai encore du sable. Putain, j'ai tellement de sable. Et du coup voilà. Dans le contrôleur en fait j'ai mis sur on. En fait tu passes sur la plaque pour prendre ça. Parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup d'énergie. Et j'en ai plus que 720. Et quand on repasse un petit coup dessus, voilà, ça descend plutôt rapidement. Donc du coup je l'ai mis sur une plaque. Faudrait que je fasse des solar panels, sauf que je les ai pas. Donc j'espère que Bullcraft va se mettre en route. Au pire il y a Forestry. Forestry ça produit des MJ, hein, des RF, pas des MJ. Les MJ c'était bien avant. C'était un 6-4 ça les MJ. Les MJ concernant Bullcraft. Electrical Engine. Voilà, c'est tout simplement en fait ça convertit des EU en RF. Donc au pire on mettra des générateurs et dedans justement ça convertit justement les EU par exemple ici en RF. Donc au pire on mettra un petit câble et puis on fera réalimenter tout ça. Naturellement je me referai une grosse batterie, peut-être pas une 1 million mais une 5 millions pour être sûr, et on fera tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire justement. Il nous faut des tines, il nous faut des pistons, tac, hop, des tin gear. Ah oui non, iron. Alors j'espère que j'ai... Ouais ça va, j'ai assez d'iron pour tout faire. Ah merde ça veut pas comme ça. Oh, me dis pas qu'il faut que je repasse par les anciens crafts. Ah, si, je suis obligé. 1, 2, 1, 2. Voilà. Ok, j'ai plus de tin. Très bien, YOLO. Tin. Platinium. Ah, si, c'est bon, j'ai du tin. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? 2, 1, 2. Voilà. Hop, et hop. Merde, j'ai pas de piston. J'ai plus de piston. Oh fuck. Voilà, 2 pistons et 2 Electrical Engine. Voilà. Ceci étant fait. Maintenant, sachant que je vais devoir obtenir une batterie. Pourquoi je suis en mode cheat? Ah ouais, parce que j'étais en créa. Oh putain. C'est chiant que ça arrive pas, ça synchronise pas entre le créa et le normal. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Du coup, qu'est-ce que je disais? Générateur, oui, générateur d'IC2 en fait. d'IC2. Oh, c'est bien. Je marque générateur IC2 et pouf, il trouve. Ça, c'est cool. Du coup, il me faut une basic casing, aéro batterie et voilà. On va se faire les générateurs du coup. Attendez. J'ai MFF Iron. je vais en prendre que 32, je vais la passer en mode plaque. Voilà. Donc ça va être en mode plaque. Dans le générateur, bah, on a un four normal, on a des RE batteries, des tin casing, et des tin tout court. On a ça, c'est bon, on a du tin. Oh cool, de l'émeraude, putain j'ai encore plein d'émeraudes. Bah c'est magnifique ça. Alors du coup ça c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. J'ai ça au pire. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le passer en mode rapidos hein, parce que c'est un peu lent sinon. Voilà, une machine, il me faut du tin. J'en ai plein là-dedans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Je les passe là-dedans, je le repasse ici. Voilà, j'en ai plus que 5. Je le termine à faire les deux derniers. Pouf. Voilà, et ensuite je repasse cela pour en obtenir plus de tin casing. Faudra vraiment que je mette les upgrades, hein, parce que c'est... Mon dieu que c'est là. Hop, on a ceci. Maintenant, il me faut de la redstone, du tin. Ah bah tiens, j'en ai encore un. Ouais, normal. Tin. Me faut deux plates. Me faut les tirer. Il me faut même la redstone. La redstone, j'en ai pas beaucoup, bien. Bon, c'est pas très grave. 11 et 12. Ah, 13, ouais. Oui, forcément, il y en a un de plus. Bon, en tout cas, j'espère que la Iron Farm va produire énormément. Je pense que oui. Parce que j'ai copié le monde en créa, en pure créa. Le truc, il produit quand même plutôt bien. Hein, donc, j'espère que ça va bien produire. Bah il produit plutôt bien et j'espère que ça va bien produire. Non, il produit bien et il va produire. Voilà. Pourquoi je mets toujours j'espère? Non, je l'ai fait donc du coup il n'y a pas lieu quoi. Enfin bref, je me fais un petit monologue. Tiens, petite suggestion supplémentaire. Je me suis mis à Pokémon Go. J'ai perdu ma vie. Hein. Non, je l'ouvre très rarement Pokémon, donc du coup, et vu que je ne peux pas forcément marcher pour l'instant, donc du coup, bah, c'est clairement, je peux pas forcément bouger tout le temps. Donc, hop, hop, un générateur, deux générateurs. C'est vrai que au niveau des générateurs, au lieu de bouffer du bois, même si c'est pas trop un problème le bois, c'est qu'on pourrait le faire limite en géothermale. Géothermale, c'est juste de la lave en fait. C'est juste de la lave dessus qui nous permet de produire assez d'énergie pour tout ça. Au pire, il y a le réacteur, mais bon, c'est un petit peu trop pour l'instant. Faut dire ce qui est, c'est vraiment trop. Donc vraiment pour l'instant, on va pas faire... Quoique la lave, hein. La lave, on peut la trouver. On a une pompe, hein. Je crois qu'il y a une pompe d'ailleurs. Ouais, il y a la pompe là, il y a la pompe d'IC2, mais il n'y a pas une autre pompe. Oh. Mana. Ouais, mais c'est une mana, c'est pas... Voilà, quoi. Oh lol. Pompe. Ouais. Bon, on va peut-être rester sur le générateur d'IC2, hein. Ça sera peut-être mieux. Générateur, alors... On va mettre les trucs là, les machines au-dessus, et un câble qui pourra partir ici, je crois, pour aller là. Je sais pas, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en dis, je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. Parce que sachant que c'est de l'énergie, en fait, je pourrais mettre la batterie au-dessus, tac, tac, et puis ça, bah... La foutre là, par exemple. Ouais, mais sachant que ça... Le contrôleur en fait m'intéresse. Au pire je vire ça, hein. C'est plus simple. Je vire ça, ça bah c'était juste des fluides tank, ce qu'il faut. Ouais et puis ça je vais bien le mettre là, hein. Sinon, est-ce que je virais pas ça et puis je mettrai mes deux générateurs là? Ça sera peut-être mieux. Hein. Tiens, hop, on va le péter. Qu'est-ce que c'est long par contre pour péter? Alors, j'ai un creeper moi. Ouhouhou. Non mais, j'aime pas les creepers. Parce que les creepers dans ce monde, avec les petits Underman qui et les creepers de Underyo, ils se fightent la gueule entre eux et généralement le creeper explose. Donc ça pourrait foutre du dégât, je dis bien ça peut foutre du dégât à justement ma tour. Donc il faudrait que j'aille regarder précisément un petit peu de droite et gauche, voir s'il n'y aurait pas des trous quelque part. Ah oui, et bien, quand vous construisez une iron farm, faites bien en sorte de ne pas construire dans un biome neige. Ça fout un peu la merde. Voilà. Hop, hop. Electrical, electrical, ok. Faudrait que je foute l'énergie, les énergies cable au-dessus. La batterie, comment ça s'appelle? Une banque, hein, je crois. Ouais, c'est celle-là, c'est la banque. Tac, alors, pouf. 1, 2, 3, 4. Je sais qu'il m'en faut deux en plus. Voilà. Ouais, je vais plus passer sur du un seul. Voilà. Au pire, pour passer au-dessus, ouais, il me faudrait du double layer, mais ça vaut pas le coup pour l'instant. Donc, alors, ce que je vais faire, sachant qu'il me faut un câble, ouais, il me faut les câbles énergie. Énergie cable. Ah ouais. Ouais, il va me falloir l'alloy smelter obligatoire. Bon, bon, faisons l'alloy smelter, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est cool, hein? C'est cool la nouvelle recherche. Hop. Four, 1, 2, 3. Un autre, pouf. Une barre. Un alloy. Voilà. Hop, on se le fout là-dedans. Ça va recharger, de toute façon, ça va peut-être pas trop vider tout ça, mais c'est pas très grave. 1, 2, 1, 2. Mettez le fer, la redstone et le fer après. Si vous mettez le fer au début, ça va le cuire et ça va le transformer en fer raffiné de Tech Reborn. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on pourra faire ce qu'il faut. Toi, je te cuis. Toi, c'est bon. Compresseur pas besoin. Tac tac tac. Alors lui il va cuire tranquillement. Merde, il m'en faut un de plus. Hein. M'en faut un de plus, pourquoi? Parce qu'il m'en faut 3. Comment ça s'appelle? Conduite under. Ouais, conduite under yo. Énergie conduite, voilà, c'est cela. Il me faut 5. Oh, peut-être que je les ai, tiens. Ah non, je les ai pas du tout. Gravier. J'ai pas de gravier? Non, t'es sérieux? Ça, si on le fait macérer, ça fait quoi? Cuit, non. Sag. Ah bah c'est ça. Voilà. Hop, on va passer en mode de marteau. Voilà. Du sable. Il m'en faut que 2, donc ça va. Voilà, ça m'en fait 8. Pardonne-moi 2 petites secondes, je te cuis ça. Où est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu ça là-dedans. Ça, je vais le péter. Normalement, il y a toute l'énergie qu'il faut. Lui, il me reste 500 000 quand même. Je voudrais bien les virer, les 500 000. Ouais, tiens. Et 1000 de plus. Voilà. Et hop, ça vide par le paquet de 2000. Ça sera nettement mieux, comme ça, on aura un stock de 2 millions. Qui est quand même pas négligeable, il faut dire ce qui est. Voilà. Donc, on fout ça là, on fout ça là. Hop, nous avons l'énergie qu'il faut là. Passons. Hop là. Ouais, faudrait que je le vire après lui par contre. Faudrait que je le pose après plutôt. Tac. J'ai ceci, je te refous ça. Il me faut pas les énergies qui sont là. Et j'entoure. Voilà, 8 de cable. Tac et tac. Voilà. Ensuite, je me fous ça là, je me fous ça là-dessus. Voilà. Et je fous ça comme ça. Et je me mets ma casing là. Voilà. Voilà. Donc du coup, eux, bah, ils vont en fait produire de l'énergie directement quand on va mettre du charbon ici. Voilà. Tac, tac, tac. Toi, je fous ça comme ça. Tac, 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 tac. Ça, je m'en fous. Ça, je fous là-dedans. Pouf, pouf, pouf. Et bah voilà. Et l'alloy smelter... qu'est-ce qu'on peut en faire de l'alloy smelter? Oh, tiens, on va la foutre là pour l'instant. C'est pas non plus énorme. Me faudrait du charbon. Juste au moins pour vous montrer. Voilà. Et lui... Ah! C'est vrai qu'il leur faut un truc d'activation de redstone. Stick. Ah oui, non. Allez, je t'ai donné de l'énergie, tu fous pas de ma gueule. Je suis sûr qu'il leur faut de l'énergie proprement parler. Faut des redstone stick. Redstone. Voilà. Hop. Moins un, redstone, RF. Voilà. Ah bah voilà. Donc du coup, bah, l'énergie produite là-dedans, ça produit 20 RF par machine. Quand ils arrivent trop en chaleur, elles se désactivent obligatoirement. On peut mettre au pire une carte de foresterie dedans, hein, parce que c'est du mode foresterie. On peut lui dire qu'il bouffe, en fait, produit plus, mais il produit, bouffe plus, en fait. Donc pour l'instant, c'est du 20 RF. On est plutôt content. Ça consomme tranquillou. Hein. Vous voyez, ils deviennent verts les cocos. Hein, c'est-à-dire qu'ils travaillent plus, mais ils produisent toujours la même chose. Et quand il n'y a plus d'énergie, bah, voilà, ils s'arrêtent. Et du coup, ils vont tout simplement réduire en température. Et du coup, s'arrêter. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser. C'est un épisode de 23 minutes. Tranquillou, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout amusez-vous bien. Je vous dis ciao, bye bye. Et ah oui, tiens, une petite phrase aussi. Je suis officiellement partenaire avec Minecraft FR, donc du coup voilà, c'est pour ça que vous avez sans doute eu l'intro au début de la vidéo. Voilà. Sur ce, bisous tout le monde, c'était épais. Et likez pour la grosse farm qui se trouve là, parce que il m'en aura fallu du temps pour la construire et c'est pas fini. J'ai pas fini de monter à 70 blocs. Voilà, allez, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine. Bisous. Oh, ça cuit.